Bonsoir à tous, bienvenue sur le live de Croco.fr. Et nous nous retrouvons une nouvelle fois sur Exile, notre mode sur Arma 3 qui est sorti il y a peu de temps, hein. Donc, eh ben, nous revenons sur le serveur où j'ai laissé ma voiture tout à l'heure, Adoudam. Elle est toujours là. Elle n'a pas disparu. Il pleut, c'est la nuit. Il n'y a pas de problème, elle est toujours verrouillée. Je vais me diriger en direction du terminal. Voilà, à l'intérieur, hein. On va regarder notre petit XM. Salut à DRG, hein. Donc on a de l'argent. Ah, on n'est pas tout à fait en forme au niveau de la santé, hein. Donc j'ai normalement réglé le problème pour la vue extérieure avec la conduite du véhicule. J'ai supprimé tout ce qui pouvait me faire dériver quand je conduis ma voiture, hein. Donc ouais, j'ai des bouteilles d'eau, j'ai ma nourriture. Alors, est-ce qu'on pourrait pas éventuellement s'acheter un peu d'équipement, entre autres, bah, une lampe torche, ça pourrait être sympa. Mais moi, je pensais plus à Eva. Alors là, on a entendu. Je sais pas si c'est l'orage qu'on a entendu ou un coup de feu. En tout cas, il y a eu un claquement à l'extérieur là. Je sais pas trop ce que c'était. En tout cas, c'est bizarre. Ah, j'ai mon arme. Voir s'il n'y a pas éventuellement un casque de vision nocturne, hein, dans les équipements, histoire quand même d'être un peu plus en sécurité de nuit. Certes, c'est quelque chose qui peut coûter. Voilà. JVN. Voilà. Voilà, je préfère être équipé avec un intensificateur de lumière, hein. Oh ouais, il y a encore du monde qui arrive, hein, décidément. C'est à première vue. Je pense le même que tout à l'heure, hein. Ça n'a pas changé. Alors on va retourner vers le marchand d'équipement. Donc voilà, pour mon arme, il n'y a pas 36 solutions. Un silencieux. Pour mon fusil, il propose un bipied, hein. Ça, c'est vraiment des lunettes de tir, hein. C'est bizarre qu'il n'y ait pas de tarif pour ça. Alors, c'est bizarre, hein. Comité de suicide, hein. Les mecs se suicident, là. Je comprends pas trop la raison. Terminal drone, sac UAV. Hein. Il y a moyen d'acheter un UAV. Hein. Il y a des grenades infrarouges aussi qui sont disponibles. Hein. On reconnaît la limine, clé morte, les charges qui permettent de piéger la route pour éventuellement attaquer un véhicule. Hein.
Damien Osbrother. C'est celui qui arrive avec sa voiture. Alors, trade. Camoutante Kid. Je sais pas trop ce que c'est. Si c'est une tente qu'on peut monter en intégralité pour s'abriter. Tape, ça c'est ce qui permet de réparer les véhicules. Ça, je pense, c'est des éléments pour construire des bâtiments, des maisons. Enfin, des maisons pas en bois, du moins. Pour... Ouais, la pluie fait rage, hein. Et on va aller faire un tour vers le mécano. Que je check un peu les tarifs là. Donc on en était resté sur les tarifs de 5 000 crédits pour acheter un territoire, 5 000 crédits pour acheter un hélicoptère, 5 000 crédits pour acheter un code pour la porte. Donc ouais, là pour 5 000 crédits, je peux même pas m'acheter un véhicule blindé. Hein. Je peux acheter un truc comme ça, là, à l'armée. Le problème c'est que ça, on peut pas tirer en roulant, hein. Il faut impérativement un tireur. C'est sûr que le Strider est un véhicule qui est parfait, hein, blindé, qui permet d'évoluer un peu de partout. Hein. Après, c'est pas de la même chose, hein. C'est vraiment du tamal, c'est vraiment pour faire du transport. Hein. On voit qu'il n'y a pas forcément plus d'emport que de. Y a pas forcément plus d'emport que sur un pick-up. Donc, j'ai même ma vision nocturne. Hein. De bien surveiller les alentours. On voit qu'il y a une autre voiture qui est arrivée sur le parking. On va regarder de plus près. C'est le modèle qui est au-dessus. Hein. Ouais, c'est pas la même que la mienne, hein. C'est un peu la gamme au-dessus. Le mec qui court là-bas là, à genouiller. Donc vous voyez, hein, le fait d'avoir la vision nocturne, ça me permet de voir un peu plus la chose. Hein. Ah, mini-missile, je sais pas qu'est-ce qui tourne le mec là. Il se met à ramper, pourquoi il rampe? Est-ce qu'il a du mal avec le jeu ou est-ce qu'il sent qu'il est... Je reste quand même assez méfiant, hein, avec des joueurs dans les environs. Hein. Parce que le problème, c'est que dès que ma voiture est déverrouillée, n'importe qui peut monter dedans. Donc là, deux kill streak. Là, on voit qu'à première vue, il y a un gars là qu'on a croisé tout à l'heure qui s'est fait buter. C'est parti. Hein. Normalement, la souris ne va plus inter... Normalement, la souris ne vient plus... pourra plus perturber ma conduite.
Alors c'est parti. Je roule feu éteint pour justement être le plus discret possible. Mais en fait, je suis en vision nocturne pour ce que ça m'a coûté, hein, la lunette. Donc là, on va ralentir un peu. Je vais voir où est-ce que je peux éventuellement. On va rentrer ici. On se gare ici dans le noir. Donc ça, en fait, c'est les éclairs, hein, qu'on entend péter. Hein. C'est pas des coups de feu, même si on aurait l'impression que c'est des éclairs sur le coup. Donc comme tout à l'heure, hein, on récupère un peu les ressources qui sont éparpillées dans les baraquements. Là. On a une arme, très très bonne chose. L'arme elle passe pas. Hein. On va de ce pas là la foutre ce que j'ai dans l'inventaire, dans la voiture. Alors on retrouve ma fameuse lunette de tir là, que j'ai pas vendue parce qu'elle s'annonce plutôt intéressante. Hein. Faire la conserver. C'est une lunette qui a une bonne portée. Je préfère la garder pour moi peut-être. Alors, le fusil, je l'embarque. J'ignore combien il coûte. Voilà, ici, on trouve encore du matos. Casque de terrain. J'ai pas assez de place. 6,50. 5,50. Donc quoi, ouais, c'est un casque pour un pilote d'hélico. Hein. À noter qu'il est lourd, mais qu'il me protège. Il est plus lourd que mon casque actuel. Nickel, une deuxième arme. Je vais ramasser les munitions dans un premier temps. Il est plus lourd que le casque que je porte. Mais il n'offre pas plus de protection. Une autre arme encore. Décidément. Pas besoin de s'éloigner. Pas besoin de s'éloigner trop. Hein, pour faire du. Pour faire du loot. Hein. Certes, je pourrais partir plus loin. Merci à Velkios pour son follow. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ça me freeze? Ça va pas marcher. Hein. Ok, il met une merde. Ok, on va pas y arriver si je me montre. Voilà.
Donc, comme quoi, hein, finalement, en restant dans le secteur, j'arrive à quand même récupérer pas mal de matériel. Alors à première vue, hein, j'ai fait un test, hein, j'ai essayé de mettre un autre mot de passe pour verrouiller la voiture tout à l'heure et ça m'a bloqué. Donc en fait, le mot de passe qu'on tape quand on achète sa voiture est bien le mot de passe qui sera définitif, hein, pour le véhicule. Hein. On remplit, hein. Je sais que je pourrais pas prendre deux armes en même temps. Je vais essayer de prendre le gilet avec moi. Ouais, ça passera pas. On va prendre le casque. Le plus important, c'est c'est de choper les armes. Décidément. Il semblait bien que j'avais aussi ça. Ah, je suis avec mes bouteilles d'eau, hein. Mes bouteilles d'eau que j'ai remplies dans la base, hein. T'as vu un mec qui avait ton nom et à quel endroit? Alors, tac, tac, tac. On va prendre peut-être l'arme avant de prendre le gilet. Hop là. Voilà, parce que l'arme se vendra sûrement plus cher. Ah bon, bah je pensais que c'était toi, hein. À moins que quelqu'un ait vraiment un nom très proche de toi aussi. Possible, hein. En tout cas, Empyrion est en train de faire pas mal d'émules, hein, j'ai vu. Hein. Pas mal de monde l'a acheté, hein, j'ai vu dans mes amis là. Je pense que le jeu vraiment. Lock. Alors, est-ce qu'il peut y avoir d'autres choses pour moi? On va aller faire un tour à côté, hein. Oh, mais le quad y est toujours. Il a pas planté, hein. Il est toujours là. Toujours avec le matériel. Alors là, c'est bizarre, il me semble entendre des pas là. Non, en fait, c'est moi qui tourne sur moi-même et c'est ça qui fait le bruit. C'est quand même très méfiant, hein, malgré tout. Déjà, ce qu'on va faire tout de suite, on va manger, boire.
C'est vraiment la merde avec l'eau, hein. Il me semblait que j'avais trouvé un cooking pot là, ce qu'il fallait pour faire du feu. Parce qu'à première vue, il faut un feu de camp et un feu de camp. Je sais que j'en avais trouvé un, hein. Comme ça, dans une ville, hein. À même le sol. Regardez, nickel. Bing, encore une autre arme. C'est vraiment. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un casque. D'accord, pam. Allez, on ramasse. Ah ouais, je vous dis, hein, autant le fait d'avoir ma vision nocturne, ça aide vachement, hein, vous voyez, hein. Là, si j'étais dans la luminosité normale, je serais un petit peu moins avantagé. C'est pour ça que j'ai acheté ça, hein. C'est quand même, ça m'apporte une bonne sécurité, hein. Si moi je peux l'acheter, hein, tout le monde peut l'acheter, mais bon. Salut à toi, le ouf. On va retourner vers la voiture. J'ai pas mis sous la lumière, justement. Et bam, encore une autre, ouais, un autre truc. Tous mes machins là de construction, je les mets dans le coffre. Ce que je vais faire, je vais repartir avec la voiture. Mais pas là, pas là, pas là d'où je viens. Mais juste en face. Une bonne idée, hein. Pas en pleine lumière. Je croyais avoir désactivé le problème avec la souris là. J'ai l'impression qu'il y a toujours. Oui, vraiment, je cherche à me cacher le plus possible, hein. Je me garde derrière les buissons, pas sous une source de lumière. Je fais tout pour être le plus discret possible, hein. C'est pas moi qui l'ai mis en blanc, hein, c'est que. Je l'ai acheté comme ça, hein. C'était soit blanc, soit rouge, soit jaune. Hein. Ah, une voiture qui passe. Ah, c'est une voiture qui passe. Hein. Faut faire très attention qu'il n'y en ait pas un qui vienne aussi. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce truc, hein? Ouh, un GPS, bah nickel. Je le prends pour moi, on n'en avait pas. Donc c'est sûr, hein, si je pouvais, je peux peindre ma voiture. Hein. Mais bon, ça coûte, je crois, 50 $. C'est vrai que c'est pas très cher. Hein. Je vais peut-être le faire.
La panne en noir. Ouais, bah, je crois que ça coûte que 50 crédits, hein. Ça coûte pas très très cher. Donc, je vais pouvoir la panne, comme ça, je serai un peu plus discret. De se faire remarquer. Tu connais le jeu, toi, le ouf? Allez, un petit casque. Nickel. Et encore un casque. C'est sûr qu'une voiture noire sera beaucoup plus discrète, hein. Et je pense que pour 50, si ça coûte que 50, ça coûte pas, c'est pas non plus excessivement cher, hein. Pour être plus discret. MRCO. On balance la fumigène. Ah, voilà. Mine de rien, un stream tout à l'heure, hein, je vais peut-être pouvoir m'acheter mon, comment ça s'appelle, hein, mon territory, hein, pour installer une base. Par contre, il va falloir que je trouve l'endroit adéquat pour aller se planquer. Je pense pas que se planquer dans les environs de la base soit une bonne idée, hein. Vraiment, je pense quand même chercher un peu à s'éloigner, hein. D'une façon générale, je connais assez bien la partie plutôt est, hein. Ah, combien de thunes? Là, je suis à 2000, hein, à peine, hein. Non, le territoire, c'est 5000 crédits, le territoire. Donc, bon, 5000 crédits, hein, c'est. Je suis monté à 2000 là, en 4 heures de jeu, hein, donc allez, une autre arme, c'est faisable, hein. C'est pour ça que j'essaie de fouiller un peu tous ces bâtiments-là, et puis de choper le maximum d'armes. C'est sûr que des armes, il va falloir que j'en. Tiens, il y a un lapin qui se promène dans la maison. Il va falloir que j'en ramène quand même pas mal, hein, parce que c'est pas avec des armes à 200, 100 à l'unité que ça va aller vite, hein. Alors, sans compter qu'il va falloir aussi que j'achète une combinaison pour la porte si je mets une porte. Donc pareil, c'est 5 000 $. Hein. Alors voilà, un gros ralentissement. Inventaire. Manque mon fumigène. Je reverrouille ma caisse. On va aller chercher l'arme. Je sais pas ce que ça coûte, hein. 150 crédits, hein. C'est toujours bon à prendre, hein. Un pare-balles aussi, ça doit coûter dans les. Ouais, 50 crédits, c'est pas non plus extraordinaire, hein. Bien sûr qu'il est limité, hein, mon emplacement. Si c'était illimité,
J'en mettrai tant que tu veux. Hein. Non, il y a une limite. Hein. Je suis limité à 2000 hein, de capacité. Il y a une barre qui s'affiche hein, d'ailleurs quand je rentre dedans. Là, j'ai dépassé la moitié. Hein. Ouais, j'ai dépassé la moitié. Hein. Voilà, la quantité dans ma voiture, elle est signalée par cette barre en bas. Alors maintenant, on va remonter. Le top hein, ce serait d'avoir les 5000 dollars là pour pouvoir justement acheter cette zone, ce territoire. Le souci c'est qu'une fois que j'aurai le territoire, bah je pourrais construire dessus hein, avec du bois. Hein. Le problème c'est que je ne pourrais pas sécuriser cette maison hein, parce qu'il faut justement verrouiller la porte avec un code là. Qui coûte 5000 dollars lui aussi. Hein. C'est un tout, hein, malheureusement. Hein. C'est tout un ensemble, hein. Il y a quand même pas mal de frais. Hein. Ça me fait le prix aussi d'un hélico, ça donc voilà. Hein, donc est-ce que c'est comme je disais tout à l'heure un petit peu, est-ce que c'est pas plus. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre d'avoir un peu plus d'argent et en acheter tout d'un coup dans le but de pouvoir s'installer, de partir et s'installer. Si j'entends par là, bah, acheter un hélico, acheter le truc de terrain, le truc pour poser le code. Parce que l'avantage d'avoir l'hélico, ça permet d'aller vraiment dans une zone. Déjà trouver une zone beaucoup plus facilement et puis surtout d'y aller s'installer. Avec plus de facilité qu'avec une voiture, quoi. Ah, c'est sûr qu'un hélicoptère, c'est quelque chose qui passe pas inaperçu quand on arrive pour décharger son matos, hein. Mais bon, une voiture, il suffit de mettre des bombes sur la route, il suffit qu'on se fasse tirer dessus par quelqu'un qui est lourdement armé avec un bon calibre, hein. Il peut abîmer la voiture hein, tout simplement, hein. Crever un pneu, tirer, toucher dans l'habitacle. Et voilà, ils ont plus qu'à servir les mecs. Hein. Un hélicoptère, c'est pas la même chose. Hein. Ouais, bah, le problème c'est que. Ouais. Le problème, c'est que d'acheter le territoire, ça me servait. C'est bien d'acheter le territoire. Mais le problème, c'est que tout ce que je vais faire sur le territoire n'est pas sécurisé, en fait. J'ai pas de code. Ça veut dire, est-ce que je peux construire une maison? Ouais, ça va, je peux le faire, mais le problème, c'est que tout le monde va pouvoir rentrer dedans la maison s'il n'y a pas de code. De toute façon, le territoire, c'est sûr que c'est un point important. Hein. Moi, ce que vraiment j'hésite, c'est est-ce que j'achète un territoire ou j'achète un hélicoptère avant d'acheter un territoire? Parce que je me dis, avec un hélicoptère, ça va me permettre de me déplacer très facilement sur des longues distances et d'être relativement sécurisé dans mes déplacements. Hein. On va reloquer la voiture. Ouais, l'installer sur une île, c'est pas une mauvaise idée, sauf que je pense qu'il y en a beaucoup qui vont l'avoir l'idée aussi. Mais je pense que c'est la première chose que vont aller visiter, je pense, tous les hélicoptères, c'est d'aller survoler les îles. Hein. Ça, c'est un béret, je vais prendre ça coûte plus cher. Les hélicoptères, ben ouais, mais pour être suivi en hélicoptère, à part avoir un hélicoptère,
je vois pas comment tu peux le suivre, un hélicoptère. Hein. Sûr que si tu te déplaces sur 200 mètres, voilà, hein, si tu le gardes à vue, l'hélicoptère, c'est voilà, c'est mort. Mais bon, l'idée, hein, c'est quand même pour faire plus de distance, un hélico. Parce que moi, si je prends un hélico, c'est pas pour rester dans les environs, hein, comme là je fais. Hein. Je pense que c'est beaucoup plus facile de suivre une voiture que de suivre un hélicoptère. Hein. La voiture, elle aura peut-être elle sera peut-être moins visible au sol, puisque voilà, avec la végétation. Mais bon, un hélicoptère qui pareil qui passe à haute altitude, pas forcément visible non plus. Hein. Là, en volant en pleine nuit, le mec, à part s'il a des lunettes infrarouges, il verra pas où je suis, puis il peut essayer de tirer dessus. Hein. Même avec une arme lourde. Un hélicoptère, le plus petit modèle, il coûte 5 000 dollars. C'est le prix du territoire. Donc le problème, c'est soit je prends un territoire et puis je vais y aller en voiture. Donc il faut que j'aille chercher la zone la plus intéressante en voiture. Et donc bah, faire en sorte que ce soit accessible par voiture. Soit j'achète un hélicoptère. J'ai cru qu'il y en avait un justement, que je peux utiliser l'hélicoptère ben, pour justement faire de l'argent avec l'hélico. Et ensuite, ben, d'aller acheter ensuite le territoire pour aller m'installer avec mon hélico dans une zone un peu plus, on dira, discrète. En tout cas, où l'accessibilité sera nettement rendue plus difficile que comme ça, quoi. Écoutez, moi je pense qu'on va monter dans la voiture. Et on va rentrer sur la base. Alors, qu'est-ce qui se passe? Parce que le... Ah d'accord, super. Alors si j'ai bloqué la voiture, je suis comme un con. C'est ça, de vouloir se cacher à tout prix. À manœuvrer. Moteur coupé. Sortir. J'espère que c'est pas endommagé. Là, je suis bloqué avec ce putain de truc là. J'ai la collé dans un putain de mur là. Pour sortir. Putain de merde, hein. Je me suis planté avec cette connerie. Hein. Puis ça veut pas bouger d'un poil. Hein. Si c'est. Il faut vraiment. Fait chien. Le coin est pire pourri là. Voilà, qu'est-ce que j'ai été m'emmerder. Foutre là dans les arbres. Et voilà. En fait, la voiture n'est pas endommagée, c'est que je suis bloqué dans un élément du décor. Non.
On va rouler jusqu'à la base. Je reste quand même très méfiant sur la route parce qu'il peut y avoir des mines. Pour ça, j'essaie de pas trop rouler en position centrale non plus. On va commencer. Attention, il y a un truc sur le bord. On va vite serrer au maximum côté zone sécurisée. Normalement, on ne devrait pas tarder à rentrer. Voilà. Ah, mais j'ai reconnu en fait, je connaissais la chaîne, hein, tu m'as dit. Hein. Je connaissais. T'as le lag. On verrouille la voiture. Hop. Ouais, la voiture elle ne coûte rien du tout. Hein. C'est pas en vendant la voiture que je vais acheter l'hélico. Hein. La voiture, si je la revends, hein, je gagne 450 $. Hein, c'est tout. Hein. Elle m'en a coûté 800. Hein. Donc c'est pas la voiture qui va me faire intérêt d'acheter l'hélico. C'est vraiment tout ce que je peux vendre comme matériel qui va me permettre justement d'acheter le matériel, l'hélico éventuellement. Alors c'est parti, on va dans. Hatchback et on vend les machins. 10. Là, je vends tout et puis je gagne des points de respect et de l'argent. Qui s'affiche ici, hein. On va vendre les armes là. Et justement, je sais pas ce que c'est le respect. Il y a des armes qui ont. Je sais pas pourquoi il y a aussi plusieurs couleurs. Ah, lui. Vraiment pas terrible. Hein. On est passé à 3000 déjà. Donc on va en. Le casque, les casques du hélico, la lunette MRCO. Sais pas ce que c'est que ces points de respect. C'est peut-être plus tard pour obtenir peut-être des trucs spécifiques avec dans des achats ou parce qu'on peut acheter peut-être on peut acheter des choses avec des points de respect. Peut-être des trucs tactiques plus tard. Aucune idée. L'expansion peut-être de sa zone de réside dans son territoire. Le territoire a un radius de 15 mètres. Donc on peut pas faire une base qui est énorme non plus. Hein. On va arriver, regardez, à bientôt à 4000, hein, 3007. Hein. Alors on continue. Hein. Quoi, hein. Tout est bon à revendre. Hein. Ouais, j'ai passé la barre des 4000. Hein. Final, hein, je me fais quand même de l'argent assez rapidement hein, avec cette voiture que je me suis achetée. Bon, même là, si je la vends actuellement, exactement hein, le ouf, hein, comme tu dis, il faut être à plusieurs hein, pour vraiment avoir un. Je pense un rendement plus intéressant. Hein. Voilà.
Donc voilà, là j'ai vendu tout ce que j'avais dans la voiture. Je garde ma lunette. Je vais aller au niveau du distributeur d'eau. Voilà où je peux remplir ma bouteille. Hein. Donc voilà, water tank, fund, donc comme je l'ai trouvé. Je peux la faire. Ah, ça c'est quelqu'un qui vient d'acheter une voiture. À genoux. Contrôle. Passer avec l'autre visée. Le gars il vient d'acheter une voiture, je sais pas ce que c'est exactement. Ils sont à deux. Hein. Là, on voit le mécano qui est par qui se lève et on voit les deux mecs qui sont autour. Là, ils ont acheté une bagnole, ils l'ont déjà recyclée. Enfin, les mecs, ils unlock leur voiture. C'est très intéressant d'avoir une lunette. Hein. Enlever mon arme, il n'y a pas de danger, c'est sécure. Alors voilà, donc je me retrouve avec ces bouteilles hein, qui sont pas top à boire. Hein. Je peux les boire, contiennent des bactéries, vous la buvez à vos risques. Donc le problème, c'est que bah, je peux pas les vendre. Et le seul truc que je peux faire, c'est les cuire. Pour les cuire, le problème, il me manque un feu et un cooking pot. Donc un pot. En fait, un cooking pot, c'est ni plus ni moins une marmite. Hein. C'est con, j'en avais une. Hein. Oh, bah, les prix, je les connais. Hein. C'est 5000 dollars, 6000 dollars. Je les connais et je les ai regardés tout à l'heure. Donc voilà. Hein. Donc ouais, bah, là, on voit que cooking pot. Je peux en acheter un, c'est le fire, le fire. Ça, par contre, je sais pas où on peut le trouver. Hein. Je lui demandais au gars. Ah, salut, tu sais où on peut trouver pour merde. Eh, j'appuie sur la mauvaise touche. Ah, salut, tu sais où on peut trouver pour un feu de camp pour brûler les bouteilles? Ah, je sais pas moi mec, je vais pas pouvoir t'aider, je suis en train de découvrir en fait. Le feu de camp, c'est en fait, faut que tu le craftes. Il faut des allumettes et du bois. Viens voir l'ami. Ok, merci Viens avec d'info. moi, mon ami. Non, d'accord. Je suis le monsieur derrière toi là, Omar. Ouais, faut acheter dans le hardware. Deux bois. Tu vas prendre l'air? Parlez, parlez. D'accord, il a pris sa hache, il m'a coupé les bois déjà. Après, tu double clic dessus et tout ça et tout ça et. Et tu fais craft fireplace. Ok, on peut le placer dans la base ou il faut le. Ça passe pas dans la base, je m'en dis. Alors là, tu peux pas le placer à côté de la safe zone. Faut se placer pas mal loin. Ok, mais je suis pas obligé d'être À dans un 1 ou 2 km aux territoire. alentours, on peut pas. Là, il n'y a pas la notion de territoire qui est nécessaire pour ça. Je peux le faire où je veux. Non, là, t'as pas besoin de territoire. Ouais. Tu peux le poser n'importe où. Ok, bah merci. Merci de l'info, c'est parfait. Y a pas de souci. Et bonjour à toi. Hein. Merci pareillement à vous. Hein. Donc voilà, ouais, Merci nickel. aussi. Hein, donc c'est bien hein, d'être sur un serveur qui est francophone. Hein, au moins, ça permet d'avoir des joueurs qui nous donnent un peu des astuces. Hein. Donc vous voyez. Hein. Ouais, non, mais c'est bien. Hein, c'est un serveur hein, où c'est PVP détente. Hein, donc ouais, il y a une notion de un peu d'affrontement. Mais c'est voilà. Hein, je pense qu'il y a peut-être des serveurs où c'est nettement plus la guerre, où il y a nettement plus de joueurs aussi. Hein.
Là, on voit quand même, c'est très détendu, les gens ils sont quand même assez ouverts. Donc là, par contre, j'ai pas d'allumettes. Le problème, c'est que si je commence à m'allier avec tout le monde. Non, ben voilà, c'est des joueurs sur le serveur, ils partent de leur côté, voilà, ils ont pas fort. Eux, ils sont avec un véhicule qui est sympa là dehors. Hein. Regardez ce qu'ils ont, hein. Ils ont un peu plus d'argent que moi. Hein. Là, le véhicule, il coûte 8000 crédits. Hein. Il coûte plus cher qu'un hélicoptère. Hein. Donc là, par contre, mon camp, mon truc là de bois, je vais aller le poser. Hein. Le souci, c'est qu'il me faut impérativement des allumettes. Et un cooking pot aussi. Donc c'est lui qui doit pouvoir me vendre ça, je pense. Donc on va cooking pot, et ben on va l'acheter. Hein. Je pense que j'en avais hein, pourtant, et que je sais pas ce que j'en ai fait. Hein. Mais bon, on va en prendre un. Hein. Ça me permettra d'avoir quand même de l'eau. Bah oui, hein. Donc j'achète une boîte d'allumettes, un cooking pot. Voilà, comme ça j'ai de quoi faire ma cuisine. Ouais, bien fait, t'as bien fait de m'y faire penser, Louf. Une boîte d'allumettes. Cooking pot. Hop, donc trade avec mon fusil, là, le Rahim. Pas trop ce que c'est, hein, c'est un truc que j'ai trouvé. Que j'ai trouvé, c'est le cas de le dire, dans une base, qui est assez puissant. Et ouais, je vais garder celui-ci. Hein. On va manger une boîte aussi. De la bouffe pour chat. Tant que ça me remonte la santé. Ouais, moi. Un nouveau sac. Bah, le celui que j'ai, hein, c'est un des plus gros, hein, parce qu'il y a plus gros que le sac de terrain. Je sais pas. S'il y a plus gros qu'un sac de que je suggère, hein. Backpack 160, il fait 200 le mien. Ah ouais, ah oui. Ah oui. Ah ouais, pas bête comme idée. Hein. Je crois que j'ai acheté un nouveau sac comme tu me dis. Hein. Pas une mauvaise idée du tout. Hein. Puis bah, je vais pas aller dans la demi-mesure là. Prendre ce qui se fait de mieux, hein, je pense. Hein. 200, c'est de la merde. 320. Ouais, je pense que je vais prendre un sac comme ça. Va acheter celui-ci. Voilà. Très très bonne remarque, Louf. J'avais pas pensé du tout à acheter un sac, c'est le cas de le dire. Hein. Alors, on va faire ça vite fait. Donc mon truc ça marche pas comme ça. Alors qu'est-ce que j'ai branlé là? Comment je vais pas m'emmerder là, j'arrive pas à faire l'échange. Je vais le faire depuis ma voiture. Ce sera plus simple hein, que de m'emmerder là comme.
comme ça dans la voiture. Je balance le sac. Je vais même balancer tout ce que j'ai. Sac multifonction kaki. Voilà. Très bonne idée, hein. Très 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 bonne idée. Ça, je vais le reprendre. Laisser dans la caisse. Je le vendrai. Si d'avant, hein, avec ce mot de passe. Donc on va faire ça, on va repeindre la voiture. Donc ouais, on fait des petits extras en fait, hein. Mais bon, c'est pas des achats inutiles, on dira. Parce que voilà, vraiment, je gagne quand même 320 d'emport. Ça va me permettre de porter beaucoup plus de matos. C'est pas un mauvais achat, clairement. Est-ce qu'il y a aussi une autre veste? Alors moi, je porte quoi? J'ai un gilet modulable, 40 d'armure, 100 de capacité. 40, 100. Donc déjà là, c'est mieux. Cent cinq, 160. Oui, là par contre, ouais, pas mal, hein. Pas mal du tout, hein. 100, 140. Cent, 120. Le prix aussi, hein, quand même, hein. Là, il n'y a pas à dire que là, il y a plus de place et là, l'armure est beaucoup plus importante. Bon, bah, ça me fait 500 crédits hein, si j'achète ça aussi. Hein. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Est-ce que ça vaut le coup d'acheter une nouvelle veste? Une nouvelle veste tactique. Lui aussi là, combien il coûte lui? Lui il fait 100 d'armure, en fait 300, c'est l'armure. Donc voilà, ouais, là je paye juste pour avoir de l'armure. Là il pèse 120, celui-ci. Lui, il pèse 60, hein, donc il est nettement plus léger. Cent quarante, armure 30. Ça pourrait être un bon compromis. J'ai plus gros, je perds 10 points de juste 10 points d'armure. Mais j'ai plus de place des plus et comme ça j'en ai déjà trouvé par terre. Donc ouais. Bof. Ça. Est-ce qu'il n'y aurait pas un truc qui aurait 50 quoi? L'idéal serait d'avoir une armure de 50 avec plus de 100. 40-100, c'est pas ce que je cherche. 40-100, c'est pas ce que je cherche. Moi, je chercherais un petit truc un peu intermédiaire, mais il n'y a pas un. Lui est vraiment pas mal, hein. Mais bon, forcément, hein, c'est le plus cher de tous.
Là, si je suis ici, hein, ça augmente juste ma. Oui, ça augmente juste ma résistance. Hein. Gilet à Raven, ouais. Foi. On va rester comme ça dans un premier temps. Je vais regarder ce que j'ai sur moi. J'ai ma boîte d'allumettes. Le bois, je l'ai dans la voiture. On va repeindre ma voiture. Va pas non plus tout de suite s'enflammer et acheter plein de trucs, hein. Comme si j'étais dans une grande surface, hein. Alors, voilà. Je verrouille, tac. Et on va faire une peinture. Voilà. Beige, green. Custom, ouais. Ça fait une belle jambe. Dark. Alors on va acheter ça, hein. Voilà, voiture sombre. On va les faire cramer un feu de camp, donc on va prendre le chemin de terre là. Je commence à avoir soif. J'arrive pas à freiner là. On va s'arrêter par ici. Hein. On va essayer de choper les bûches qui m'a filé là. J'en prends deux. Et je reloque la voiture. J'espère que je suis assez loin. Alors on va dans l'inventaire. On clique dessus. Recette. Voilà, j'ai crafté le Firkant. Donc oui, je ne peux pas le poser tout de suite. Je suis trop près encore dans la zone de. Donc on va aller un peu plus loin.
de rester sur la route. J'ai pas envie de m'aventurer non plus trop en off-road. J'ai pas envie de tout péter. Voilà, je me ferme pas la voiture volontairement, hein. C'est juste pour faire le test vite fait ici. Donc là, manifestement, on peut le poser. Finalement, je vais faire escape. On va loquer la voiture parce que là, ça fonctionne. Ouais, donc je vais placer le feu ici à nouveau. Construct. Free mode, green mode, snap mode, toggle physique, freeze, rotation, space. Voilà, là je l'ai placé. Maintenant, hop, je fais Reshape, Cook, Equiped, Fire, note trouvée, ok, Light Fire, hop, nickel, je mets mes 6 bouteilles et j'ai 6 bouteilles d'eau fraîche, c'est pas beau? Et je récupère mon feu. C'est qu'en plus c'est bien, je peux le récupérer. Enfin, j'espère. Cooking pot. Non, j'aurais pu le laisser. Hein. Voilà, je bois ma bouteille d'eau. Finalement, hein, j'aurais dû garder mon bois. J'aurais dû laisser du moins mon feu de camp, hein. Ici. Je vais afficher la carte, je vais regarder un peu dans quel endroit je me trouve. Ouais, je dois être par là, dans le nord de Gravia. Le long de cette route là, vers une station service plus loin. Bon bah on aura avec succès fait cuire déjà de l'eau. Très très bon conseil hein, le gars. Aucune idée hein, sur la durée du cycle jour-nuit, mais à première vue, ça a l'air durer en durée réaliste. Enfin, ça a l'air d'être la durée qui était prévue dans le jeu. Hein. Donc, c'est assez long. Hein. Je sais pas pourquoi les roues tournent d'elles-mêmes là. C'est assez long. Hein. Si je regarde sur mon ordinateur, là, il est que 21h. Hein. Donc, il y en a pour encore un bout de temps hein, avant que le jour se lève. Là, la nuit, elle tombe, elle fait juste que tomber. Merde.
pourquoi ça tourne alors que j'ai désactivé la conduite à la souris. Donc là, on arrive au niveau de la station service. Hein. Que j'ai trouvé de quoi remplir ma voiture, hein, qui sait. J'ignore si. Bah, nickel. Je vois la thune, je suis passé en dessous des 4000 hein, avec tout ce que j'ai acheté. Hein. Ça vient pas comme ça, hein, l'argent. Nickel, il y a un réservoir. Regardez de l'autre côté ce qu'il y a. Il y a des morceaux de tôle, c'est ce qui coûte assez cher ça. Ça coûte 600 crédits. Hein. Je pense en fait qu'il faut que je me. Que j'installe un feu de camp dans un endroit où je sais qu'il y a un feu. Hein. Comme ça, bah, par exemple, à la station service, je mets un petit feu de camp derrière, comme ça. Je reviens toujours au même endroit. Ah, qu'est-ce que c'est? Cooking pot, ah putain, j'en ai acheté un. Il y en a un que je trouve comme ça. Je pense que j'ai ramassé une bouteille là. Alors je sais pas pourquoi ça coupe là. On va rentrer. Hop, une conserve, nickel. Ouais, il a modéré à cause des caps lock à première vue. Nickel, le sac à dos, il est pratique parce que vous voyez, maintenant, ça m'évite de faire énormément d'aller-retour. Hein. Le sac à dos, je vais pas m'emmerder. Une autre boîte de conserve, une autre encore. Cala nickel, hein, maintenant j'ai des bouteilles d'eau sur moi que j'ai pu. Stérilisé. Donc maintenant, déjà, j'ai un peu l'autonomie pour l'eau. On va invoquer. Tu as. Alors, on balance dedans le machin, tout ce que j'ai pu trouver là. Hop, on balance une bouteille un petit cook. On balance ça aussi, j'en ai déjà. Tac. Ça en fait des bouteilles d'eau. Nickel, en plus c'est pas de la bouffe de merde, c'est des.
tu me diras, le jerrycan, je peux le remplir gratuitement ou pas? No fuel, il me dit. D'accord, il est vide le réservoir. On va faire le plein. J'espère que c'est gratuit. Voilà. Faut rentrer dans le menu. D'accord, véhicule rempli pour 3 litres. Nickel, hein, je vais le plein. On va sortir, on va re-remplir mon jerrycan. Comme quoi, des jerrycans de 3 litres, c'est pas beaucoup, hein. En fait, c'est normal qu'on ait ce menu parce que c'est en fait des. Là, je peux faire un craft portable générateur. Il est fuel, il est fuel, il est full. Donc on va le mettre dans le coffre. En fait, il n'y a pas besoin de bien remplir. Hein. Le véhicule était quand même relativement plein. Et hop, je balance ça dans le coffre. Fouiller un peu les alentours. Peut-être me bouffer une boîte là. Truc là. Plus 40%. Je suis à 30, ça sera parfait. C'est sûr que le jeu doit être très intéressant, hein. Le mode il doit être très intéressant à plusieurs. Hein. Se créer une petite base. S'acheter bah, les véhicules, gérer la nourriture, tout ça. L'armement. Je pense que la survie doit être assez rapidement faisable, hein, sans trop de mal. Hein. Ce qui est le plus difficile à gérer, je pense, après, c'est les conflits avec les autres joueurs. Parce qu'évidemment, d'ailleurs, je pense, une envie des joueurs d'attaquer les bases ennemies, enfin, pour essayer de piquer le matériel, voire les véhicules, peut-être. J'ai des ralentissements. Ça là-bas, je pense que c'est un bâtiment important. Il va y avoir du loot intéressant. Un truc de bouffe là. Je pense qu'après il faut bien savoir soit on installe son camp, son territoire dans une ville ou proche d'une ville, ou soit vraiment on part dans le milieu de la nature et s'installe en plein milieu de la nature. Je pense qu'il vaut mieux peut-être viser une. Se mettre dans vraiment dans la nature au milieu des arbres et tout hein.
nickel. Vous voyez, bouteille d'eau. Comme je disais, hein, suivant les endroits qu'on fouille, on trouve des items par rapport à la zone. Hein. Un sac à dos, je m'en fous. Un autre sac à dos. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Une lunette. Un RCO. Ah! C'est ce que j'ai comme arme déjà. Allez, on prend tout ça. Je revendrai l'arme. Ce que je vais faire, je vais choper ma bagnole et je vais me déplacer avec la voiture dans le bâtiment qui semble plus intéressant. Parce que là, je vais finir par me perdre. Hein. Ça aussi, c'est pas mal intéressant. Et hein, avec le gros sac à dos, je peux m'embarquer tout ce bordel. Une autre arme. Ah, oh, bah si, c'est ça. Faut pas vraiment, pas trop se paumer, hein. Normalement, la station service, c'est ce qui doit briller là-bas. Ah bah viens avec ta mute pendant je sais pas combien de temps. On voit le panneau de la station service. On va prendre la voiture, on va aller faire un tour là-bas dans le bâtiment qui me semble être un bâtiment pas forcément militaire, mais c'est des bâtiments qu'on trouve proches des installations militaires ou dans certaines bases. Le machin il est passé à côté de moi. Le mec il. Alors, soit les mecs, je pense que c'était un gros véhicule. Hein. Il roulait avec les phares en plus. Moi je me suis vite caché pour pas justement qu'il me percute ou qu'il m'écrase. Alors, ça. Hop, hop. C'est ma nouvelle bouteille d'eau fraîche. Attends, hein. Non, on fait de l'eau. Hein. Alors. On va aller là-bas sur la droite. Y a pas une route là qui tourne? J'aime vraiment pas quand ça lag comme ça là. Parce que là c'est le meilleur moyen de se prendre une bastos et de pas pouvoir gérer parce qu'on est ralenti par le lag.
Est-ce qu'on y arrive? Pas aller plus loin, on va rester par ici. On va pas aller prendre de risque de me bloquer avec la voiture comme tout à l'heure. C'est parti, on va visiter cet endroit là. Les portes ouvertes déjà. Alors déjà ça c'est un casque je crois. Un képi. Bon. Ça de des munitions aussi. On ramasse ainsi toutes les petites munitions. Ça peut être... Enfin, c'est toujours de l'argent, hein. Ça prend pas beaucoup de place et ça se revend peut-être bien facilement 10 crédits, hein, le paquet de munitions. Alors, étant donné que c'est pas les munitions que j'utilise forcément. C'est le fameux gilet que je disais tout à l'heure qui a beaucoup plus d'emport et qui a 10 points de moins de protection. Ça m'évitera de dépasser 500 crédits. Ça veut dire que bah, j'accepte de perdre à la limite un peu de protection. Je perds 10 points de protection sur le gilet. Et en contrepartie, j'emporte 40. 40 trucs de plus avec moi. Donc là, il faut que je revienne chercher, il y a une arme. Jamais il peut y avoir du monde, mais bon, je pense quand même que c'est relativement quand même tranquille. Ah, c'est un pointeur laser. Quelque chose qui doit sonner quand même pas mal. SOS, ça c'est une très bonne lunette de tir. C'est une très bonne lunette de tir, SOS. Je vais aller chercher le fusil avant que qu'il disparaisse. Je sais pas si ça despawn. Attention que les objets restent assez longtemps quand même en place. On va prendre comme ça. Bah pour l'instant c'est un peu limite quand même pour voir je débute juste mais bon c'est moi ce que j'aime bien c'est que déjà le mode pour l'instant c'est pas quelque chose de trop hardcore. Clairement il n'y a pas photo qu'avec
avec Breaking Bad, Breaking Bad, avec Breaking Point. Je me serais certainement fait allumer un paquet de fois et je serais nettement pas en véhicule. Donc là, on veut dire, on a quand même possibilité quand même d'évoluer assez rapidement hein, avec un peu de recherche de ressources et tout. Hein. Donc quand même, on s'équipe assez vite. Hein. Ça demande quand même un petit, voilà, un petit peu de manutention, hein, d'aller chercher dans les machins, remplir les véhicules. Mais bon, on voit quand même que. Voilà, j'en suis à combien de temps, hein? Ma voiture, je l'ai eue au bout de 4 heures de jeu, alors que je connaissais pas grand-chose, hein? J'avais vaguement testé, je savais qu'il y avait des constructions, hein? Donc j'ai vraiment bien appris en plus avec la communauté là. Et sinon après, bah, pour l'instant, déception. Pas vraiment dire 4 déceptions, hein? Si ce n'est que bon bah c'est. Voilà, que c'est un mode qui est sympa mais qui arrive un peu tardivement quoi. Je suis pas contre parce que là hein, ça. Et puis il y a quand même énormément d'autres jeux qui sont sortis. Et puis bon bah à part les. J'irais les habitués de Arma 3 ou vraiment ceux qui avaient pris une habitude de jouer sur un type de mode précis, hein, comme Breaking Point. Je suis pas convaincu que les gens reviennent sur Arma 3 uniquement pour jouer à ça. Hein. Bah, je le fais parce que bah, moi j'ai joué quand même pas mal à ça. Hein. J'ai fait quand même pas mal de Breaking Point. C'est pour ça que je me suis dit je vais le tester. Puis il avait. C'est surtout la partie construction moi, qui vraiment m'attire. Bon, comme on l'a dit tout à l'heure, il faut attendre quand même d'avoir 5000 crédits pour pouvoir le faire. Donc après, du côté déception, on verra une fois que je me serai fait tuer une première fois. Voir si tu peux. Si on perd l'argent, si on perd son équipement, si. Je sais pas comment se gère la mort dans le jeu. Est-ce que je recommence à zéro avec un perso qui a plus rien? Est-ce qu'il faut que je rachète, bah, que je recommence tout quoi, c'est-à-dire faire de l'argent? Est-ce que je conserve mes véhicules que j'ai loqués? Ouais, c'est plein de petites questions comme ça. Je sais pas trop. Pour l'instant, je suis pas encore mort. Pas trop envie d'essayer non plus. Par contre, en tout cas, je pense que le contact dans la zone de sécurité. Moi, vraiment, un truc que je prends, c'est le. Je sais pas du tout, hein. Je sais pas du tout. Je suis jamais encore mort, hein. Moi, je pense que le point un petit peu moyen, c'est cette zone. De cette zone sécure au milieu dans le terminal où on peut être amené à être attaqué à l'approche. Ça, c'est pas franchement top top. Hein. Quelqu'un qui voudrait venir juste vendre ses trucs comme tout à l'heure avec mon quad, il se fait tirer dessus parce que bah il suffit de quitter la zone pour bah, être non plus dans la zone sécurisée, mais dans. Moi, j'aurais peut-être fait une zone un peu plus grande, une zone neutre, pour justement éviter le camping trop dans les environs, vraiment que les gens puissent comme. Enfin voilà, hein, qu'il y ait un champ plus ouvert autour pour arriver dans plus de directions et d'être rapidement sécurisé. La zone de protection est quand même relativement réduite hein, autour de l'airport. Il y a largement de quoi se faire attaquer, de se faire piéger. Hein. Ouais, je peux piéger énormément de gens. Il suffit que je mette des mines sur les routes. Hein, je peux casser énormément de véhicules et de gens qui viendraient à la base. Hein. Après, quel intérêt? J'en ai aucune idée. Hein. Aucune lampe torche, un autre gilet modulable. Je range tout ce que j'ai pu ramasser. Ah, ça, c'est encore un autre truc médical, un instant doc. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme truc, hein? Ça, c'est un machin, ça me fait perdre de la vie, hein. Fumigène, lui, on le balance. J'en ai des plus intéressants sur moi.
Ouais, bah, un mode en tout cas qui est pas mal, hein, mon vie. Hein. Ça change en tout cas de la logique Breaking Point avec les zombies et tout ça, quoi. C'est appréciable, quoi. Prendre ma voiture. Essayer d'aller choper d'autres choses. Je vais éviter de faire de la conduite hors route, hein, du off-road. Hein. Il suffit que je me mange un muret, une souche d'arbre et j'endommage la caisse. Fort ralentissement quand même. Bon, ça je pense pas que ça soit dû au mode, hein. Enfin le mode il doit être peut-être un peu très assez lourd quand même. Je pense que c'est peut-être dû peut-être au serveur, hein. Voilà, on voit que là c'est très 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 ralenti, hein. Alors si c'est pareil en hélicoptère, malheureusement un hélicoptère ça pardonne pas, hein. Il suffit d'être en inclinaison en direction du sol pour se prendre un coup de ralentissement. C'est le crash. Regardez les à-coups que ça fait. Faut dire qu'aussi moi je suis hein, pas forcément avec les meilleures dispositions pour que ce soit fluide, hein, parce que bah. Je suis en vision nocturne. Donc bon, je pense pas que ce soit que ça qui tire énormément sur la ressource du serveur, mais pourtant mon jeu il est vachement optimisé, hein. Alors, où est-ce que je suis, hein? Cherche ma route. Hein. Donc là, on a une grosse cuve. Je pense qu'on doit. Ah, moi, il n'y a pas de problème. La connexion, c'est pas le souci. Hein. J'ai ce qu'il faut. C'est pour ça que je pense que c'est du côté serveur que ça doit être un petit peu. Limite. Pas trop m'aventurer comme ça, hein. C'est le meilleur moyen de planter la voiture. Là, il y a des barrières, on les voit au dernier moment. C'est de retrouver ma route. Là, je me retrouve, je suis pas sur une route, là, je suis en train de passer à travers les champs. Alors, là, on est sur la bonne route. J'ai vu le panneau de la station-service, donc la station-service devrait être un peu plus loin. Voilà. C'est parti.
Après, je redescends en direction de la base. On va continuer, hein, même s'il m'a semblé apercevoir un truc qui pouvait être suspect. Comme si j'avais vu un joueur embusqué. Hein. Avec le ralentissement que j'ai. Vraiment, je suis garé, c'est le cas de le dire, sur le passage. Hein. Qu'est-ce que c'était que ce bruit? Ouais, ça doit être moi en marchant qui a dû accrocher une saloperie. Qu'est-ce que c'est? Une batterie. On prend ça. Hein. C'est plein d'éléments hein, qui doivent être utiles pour les constructions. Hein. Un casque, un gilet, ceinture d'intendant, pas grand chose qui doit être. Ça se vendra bien par contre. Pas non plus des sommes folles, mais bon. Quelle munition. Ouais, j'ai même un ralentissement quand j'épaule mon fusil. Hein. J'ai pas ce problème tout à l'heure. Parce que il doit y avoir pas mal de monde sur le serveur. Hein. Je sais pas si on peut afficher. Hein. Une fois qu'on est à l'intérieur, il n'y a pas moyen. Hein. C'est très ralenti. Hein. J'en profiter aussi pour changer mon gilet. Je vais passer avec celui-ci. Hein. D'accord, je peux pas l'ouvrir. Alors. Ça, c'est ce que je viens de poser à tous les coups. Oh, 40, 100. Ah, donc là, on voit 140, 30. Hein. Donc j'ai moins de d'armure. Par contre, le gilet a plus d'emport. Instant, j'ai privilégié surtout ça, hein. Le fait de pouvoir emporter plus de matériel sur moi. Ouais, là maintenant, je suis emporté plus de matériel dans mon gilet tactique. Alors que je regarde aussi au niveau des vêtements, des treillis. Alors, ce qu'on va faire,
Allez vendre tout ça. Toujours sans phare. Hein. D'arriver, je freine. Putain de merde de ralentissement là, j'ai fait manger le mur. Mec, ils ont un camion, hein. Nickel. Sympa le camion. Là, au moins, les mecs ils font du transport, au moins. Si on peut tous vendre en même temps, hein. Je pense qu'il doit y avoir beaucoup de monde sur le serveur. Hein. J'ai énormément de mal. Hein. Alors, on va vendre dans la voiture. Il y a des trucs, je n'arrive pas à les vendre tout de suite, j'ai l'impression. Hein. Les plaques se vendent très bien. Je pense qu'après, hein, il faut vraiment faire beaucoup d'aller et venir. Hein. C'est vraiment un travail de collecteur. Hein. Alors j'entends plus rien, ça m'a fait carrément. Des ralentissements bien importants. J'ai du mal à suivre. Hein. Pointeur laser, c'est pour mettre sur une arme. SOS, pas la borne. Ça en fait du matos, hein. Rien, hein, oui. Hein. Petit à petit, hein, je monte mon argent, hein, petit à petit. Hein. Je suis presque à 5000. Hein. Je suis à 5000. Voilà, ça y est, les gaziers. C'est là qu'on se rend compte qu'il y a vraiment du lag. Y a coupé le moteur. Coupe le moteur. Ouais, il y en a qui tirent.
Bah, l'hélicoptère, ouais, mais enfin, je vais peut-être acheter l'hélicoptère quand il y aura. Là, j'achète un truc, c'est un coup à s'éclater, hein. Ça rame et tout, là. Ça rame beaucoup trop, là. Si j'achète un hélicoptère, c'est le meilleur moyen de le planter, là. Ça rame comme c'est pas permis. Truc, c'est que si j'achète là un hélicoptère tout de suite, là juste avec 5 000, c'est-à-dire c'est vraiment ouais, il me reste même plus 100 dollars. Hein. Faire le pigeon là. C'est pas le. Vaut mieux quand même acheter quand il y a un peu de d'argent en réserve. Hein. Je suis pas quand même dingue au point de. D'acheter tout de suite un hélicoptère, pile parce que j'ai 5 000. Hein. Faut attendre quand même d'avoir au moins une petite marge de manœuvre. Pour pouvoir justement acheter ben, ce qui peut être nécessaire. Hein. Regardez un peu les tarifs. Hein. Quoi, hein, lui, il n'y a pas de problème, je peux l'acheter désormais. C'est celui que j'achèterai d'ailleurs. Hein. Il aura une capacité de 1000, donc il aura moins d'emport que ma voiture. La moitié moins de place que ma voiture. Par contre, voilà, je suis avec un hélicoptère qui me permettra de me déplacer beaucoup plus facilement sur toute la carte. Bon, un peu visible, hein. C'est sûr que lui, là, à 6 500, aurait été plus intéressant, hein. Un peu moins flashy. Plus de. On peut transporter des personnes sur les côtés. Bon, après le reste, hein, autant vous dire que. J'en parle même pas, hein. Ça me plaît pas trop. Je préfère encore un truc comme ça. Hein. Ce véhicule de transport, ça. Ah, c'est encore pire. Alors, ouais. Là, vraiment, on rentre. Là, on rentre, on vide tout. Hein. 6 000 de capacité. L4 il est pas mal. Le Cessna, bon bah. Ça c'est pas intéressant parce que. Ça me permet pas de se poser n'importe où. Pour ça, je préfère de loin, même si l'hélicoptère est voyant, je préfère avoir un hélicoptère que ça me permet de me poser n'importe quelle zone. Toute façon, il n'y a pas 36 choix. C'est soit ça, soit j'arrive à monter un peu le prix et je pars sur ce modèle-là. Ah. Il y a quelqu'un qui prend un hélicoptère. Il est où là, celui qui décolle? Vous voyez, hein? Ah, il est en face. Donc voilà l'hélicoptère qu'ils ont acheté, c'est un hélicoptère qui est pas mal, lui, il a une vision nocturne à l'avant. Ah, il a disparu. Ce qu'il a branlé. C'est un hélicoptère qui est pas mal lui, hein. Pas mal, mais bon. Comme il coûte. Voilà, il coûte quand même 7 000, hein. Il a un peu plus d'armure, hein. L'orca est pas mal aussi, hein. Moi, je préférerais tant qu'acheter un hélicoptère, le Orca, je pense. Même si celui-ci, il a quand même la vision nocturne hein, pour le copilote, qui est quand même un truc vachement important. Mais l'Orca, en gros, il a beaucoup plus d'emport et puis beaucoup plus discret, hein, je trouve, en silhouette. Hein. Tout noir. Quoi, c'est clair que c'est pas mal. Hein. En tout cas, on voit qu'il y a du monde hein, qui s'intéresse à aller aux hélicos. Hein. Je sais pas ce qu'ils ont branlé là. Ah. Il a dû en acheter un là. Ouais, il sera plusieurs. Hein, parce que oui, hein.
Lui là, il doit dépenser l'argent et il attend que ses potes récupèrent l'hélicoptère, je pense. C'est qu'à tirer, hein. Ah, c'est Pin là, il a rien compris lui. Qu'est-ce que c'est que ce truc hein? Ils ont une caméra au-dessus du truc là. Pas mal hein, le machin. Ouais, c'est la première fois que je vois ça. Hein. C'est bien foutu hein. La caméra elle est montée. C'est un machin d'observation hein. Ils ont raison, hein. Au moins ils ont un véhicule avec lequel ils peuvent se déplacer dans la nuit hein, et observer un peu les trucs. Hein. Et en plus ils sont blindés. Hein. Par contre j'ai aucune idée pourquoi ça ralentit autant. Ouais, il y en a un qui a laissé un jerrycan à l'extérieur, hein. Même deux. Écoutez, hein. Ça c'est quelqu'un qui en avait plus besoin. Hein. Moi je récupère. Hein. Rien ne se jette hein, avec moi. Hein. Rien ne se jette. Ah bah c'est sûr qu'un hélicoptère c'est rentable, mais c'est rentable à condition de le conserver. Hein. Si c'est pour le crasher parce qu'il y a un lag, là c'est pas trop rentable l'histoire. Bah, vu le ralentissement que j'ai, même à pied, je suis pas convaincu que d'acheter l'hélicoptère tout de suite, ça soit une très sûr. Hein. Bon, c'est un peu risqué hein, même. Hein. Comme ça me ferait un peu chier quand même d'acheter un hélicoptère pour le mettre direct au tas. Je sais pas, je vais peut-être attendre que le serveur y reboot ou enfin que le serveur soit beaucoup plus fluide, hein, comme quand j'étais dans l'après-midi. Hein. Parce que là, on voit vraiment il y a un ralentissement sur le serveur et je sais pas à quoi c'est dû. À bouffer un machin. Un machin de chat. Ouais, on voit la voiture. Je pense qu'en fait, il y a énormément de joueurs sur le serveur. Hein. C'est ce qui crée le ralentissement. Hein. Salut à toi, Wiz Mafia. Alors on voit, il y a Hélico apparaît. Hélico apparaît. Apparaît. Ah, il y a des comiques, hein. Hélico apparaît. C'est ton collègue. Ouais, c'est ce que je vais aller faire. Hein. Je vais faire un petit tour à la base militaire, je pense. Histoire d'aller me remplir le coffre de machin coûteux. Je sais pas s'il y a quelque chose sous les dômes là, si ça vaut le coup. J'aurais bien aimé voir leur hélico de plus près là, les mecs, je sais pas ce qu'ils branlent, ils ont vraiment l'air de galérer. Hein. Ah ben c'est sûr, hein, je vais pour le rembourser. Le problème, comme je dis, c'est pas une question de l'acheter, hein. C'est une question de le conserver l'hélico, parce que là il n'y a que des déconnexions et hier sur le serveur où j'étais, il y en a justement qui ont perdu la connexion en plein vol. Bah, leur hélicoptère, ils l'ont, c'est bon, hein, ils l'ont perdu. Donc
Je pense pas que vaut mieux attendre que le serveur il soit beaucoup plus stable pour acheter un hélico. Hein. Là, si j'achète l'hélico et puis que je me crash parce que ben le serveur il arrive pas à suivre, ben, je perds tout là en même pas 5 minutes. Hein. J'aurais même pas le temps d'utiliser complètement l'hélicoptère que déjà je le perds, ça ferait chier un peu quand même. Hein. Là, je pense qu'il faut attendre que le serveur soit beaucoup plus fluide, soit qu'il reboot, soit qu'il y ait moins de monde, je sais pas. On va aller récupérer des armes avec la voiture. J'ai pas envie d'acheter un hélicoptère et puis de le perdre avec un problème de ralentissement. Hein. Là, ça me ferait vraiment chier ou une déconnexion non voulue. Ça m'emmerderait énormément. Hein. On voit là, il y a des joueurs qui ont du mal. Hein. La crise, c'est celui qui était avec l'autre. Hein. On voit, ils se déconnectent, ils se reconnectent. Hein. Bon bah là, hein. J'espère qu'il n'y a personne. Hein. Parce que c'est le cas de le dire, je viens comme pas quand même en discret. Hein. Ah, je sais pas combien on est sur le serveur, on peut pas l'afficher. Hein. Ah là, ça promet, ouais. En effet, ça a l'air sympa le coin. Déjà des bâtiments, c'est des bâtiments scientifiques. Mais il n'y a rien à l'intérieur. Voyez, les joueurs ils sont tous en train de se faire déconnecter, là, les joueurs qui sont dans la base. Hein. Ça veut dire qu'il y a vraiment, je pense, avec l'hélicoptère là. Un petit souci, c'est pour ça que ça a disparu d'un coup, sans raison. Hein. Alors là déjà. Il n'y a rien du tout. Hein. Non plus, hein. C'est vide, hein. J'espère qu'il y aura un truc dedans. Qu'est-ce que c'est? C'est des machins que je peux pas revendre. Hein. Ça, je peux revendre. Ouais. Putain, tout ça pour une ampoule. Ouais, je pense qu'il faut vraiment plutôt aller à la base. Les dômes, c'est joli, mais je pense qu'il faut plus aller à la base. Vers Pyrgos. Un jerrycan, j'en ai 3. Ah, vous voyez, ils annoncent un reboot du serveur. Hein. Par où il passe le véhicule. Je voudrais voir en fait c'est où est-ce qu'ils vont avec leur. Oh, vu le bruit, je pense que c'est le véhicule de tout à l'heure là. Le véhicule blindé là.
de Omar là. Regardez, vous voyez, il est là le mec. Donc là, le mec, je pourrais l'allumer sans problème. Je pourrais le poutrer là. Je comprendrais rien du tout. Le problème, c'est que le mec, s'il est pas seul, il y a moyen que moi, que je me fasse éclater aussi. On va surveiller, hein. Le problème, c'est qu'il faut pas comme aussi que je me balade et que ce soit lui qui ait l'idée de me tirer dessus, hein. Que je sais plus trop où la mine elle est garée, ma voiture, par où je suis entré. Je pense qu'elle est derrière là-bas. Derrière le dôme, regardez, ça bouge là-bas. Vous voyez, hein, là, je pourrais buter le mec, ils sont deux parce qu'il lui est rentré de l'autre côté, il me semble. Qu'est-ce qu'il fout là? Il repart. Je sais pas si je tue un mec, comment ça se passe. Si je perds des points, si j'en gagne. Ouais, donc vous voyez un resport et un restart dans 5 minutes. Donc en effet, le serveur avait bien un problème. Bien fait de m'abstenir d'acheter un hélicoptère tout de suite. Ça aurait été le moyen, peut-être le meilleur moyen de le perdre. C'est vraiment nul ici. Hein. Je me serais attendu à plus de loot que ça. Hein. Vraiment rien. Hein. C'est par là que je suis rentré. Là, regardez ce qu'il y a aux alentours parce que je sais pas ce que si c'est pas ma voiture que j'observe au loin. Là, par contre, c'est beaucoup plus intéressant là, les baraques. Alors, ma voiture, elle est juste là. Je regarde si je vois pas l'autre justement. Faut savoir que quand on tue un bonhomme, c'est pas comme dans Breaking Point hein, où la mort, voilà, c'est pas anonyme quoi. On meurt et on sait pas son tueur. Là, quand on tue quelqu'un, on sait qui vient nous tuer. Le problème, c'est que si le gars là, c'est un allié qui sont en équipe là. Autant dire que moi qui suis tout seul, je me mets à dos toute une équipe de joueurs. Et
Ouais, ça tire. C'était assez loin comme coup de feu. À première vue, le gars, il est pas équipé de lumière, d'intensificateur de lumière. De toute façon, là, on va rester comme ça tant que le serveur reboot. Ce serait extrêmement embêtant de se retrouver avec la voiture déverrouillée en plein milieu de nulle part pendant le restart du serveur. Parce que ça peut couper comme ça sans prévenir. Salut à toi, Star Trike. Ouais, sur un serveur français là que je me suis mis. Hein. J'étais sur le serveur. Il y a un serveur qui s'appelait le Loup Gris, mais manifestement, je peux plus m'y connecter. Hein. Il y a le serveur merdo. Je suis parti sur un autre serveur FR. Et lui aussi va redémarrer à première vue. Il y a un problème sur le serveur là. Il y a énormément de ralentissement, donc je pense que l'admin il va. Voilà, ça reboot dans 1 minute. Donc moi je vais me mettre. Est-ce que de le dire un peu à l'abri. La voiture elle est juste ici. Et puis ben. Que je vais me déconnecter hein, pour pas justement pour avoir le moindre souci hein, pour rien perdre quoi hein, ça me ferait même plus chier de perdre quelque chose hein, sur l'opération du reboot. Donc ouais, on va se déconnecter tranquille. Bon bah ça y est, le reboot est en cours hein. Donc on va tout de suite se déconnecter. J'ai attendu un peu trop longtemps. Hein. Vaut mieux se déconnecter puis que ça soit propre. Se retrouver. On n'était pas très nombreux, hein. Ouais, bah, pour l'instant, ouais, c'est ça, hein, c'est que bon, c'est le début, hein, il n'y a pas grand chose à faire à part construire une grosse baraque et tout. Mais bon, c'est sûr que le PVP va être quelque chose qui va être très intensive, à mon avis, dans l'avenir. Hein. Ça commence déjà un petit peu, hein. Et là, avec tout l'armement, les véhicules et tout, ça va monter jusque crescendo. Hein. Ça va vraiment être après, je pense, même limite disproportionné. Hein. On va se retrouver avec des mecs avec très très équipés. Et les nouveaux qui vont arriver, ils auront même pas le temps de s'installer, enfin de commencer à s'équiper, que la voiture, elle va péter sous des mines, qu'ils vont se faire sniper, enfin. Là avec le système actuel de la base unique pour faire des courses, moi j'ai peur que ça devienne une zone de camping, hein. Clairement. Après, l'avantage d'être sur un serveur français, bah, c'est qu'on peut demander conseil là, avec le chat intégré de Arma aux joueurs. Hein. Donc ouais, ils peuvent un peu guider un peu sur comment faire. Ouais, moi je comprenais pas comment faire pour construire un truc. Enfin, je voulais poser mon workshop, ils m'ont dit bah, que c'est là qu'il fallait que justement que j'achète un terrain. Ah bon, ouais, c'est sûr. Hein. La base militaire de Pyrgos, hein, c'est sûrement une des plus visitées. Hein. C'est là où justement ça me tenterait bien d'aller faire un petit saut.
pour aller me faire le plein de d'armes pour justement acheter, bah c'est le cas de le dire, l'hélicoptère après. Ensuite de faire une base. Hop, je vais aller regarder dans les réglages en même temps. En même temps si tout a redémarré ou pas. D'accord, d'accord, hein. Bah, ça me surprend pas du tout. Hein. Ça me surprend pas du tout qu'un mec qui commence à faire déjà du camping. Hein. C'est triste, mais. Moi j'ai peur que c'est ça qui va tuer un peu le mode. Hein. C'est que cette histoire de point unique là pour venir se ravitailler. J'ai peur que justement ça le desserve avec à l'avenir. Parce que plus on va être équipé, plus il y en a qui auront rien à foutre, bah plus ils vont se mettre en embuscade dans les alentours du terminal et attaquer tous les joueurs qui se pointent quoi pour vendre leur matos. Hein. Donc ouais, quoi, c'est pas super super top quoi quand même. Hein. Là, logiquement le serveur aurait rebooté. Essayer de me reconnecter. Ça charge bien. Voilà. Bien vu, c'est bon. Ça a l'air de partir. Exactement, hein. Moi ce que je pense c'est qu'il faudrait qu'ils rajoutent d'autres, déjà qu'ils élargissent la zone, la safe zone. Hein. Comme ça, l'avantage c'est que bah, plus des. Voilà, hein, ça fait quand même une plus grosse zone à couvrir et à surveiller pour. Voilà, hein, je veux dire, plus le périmètre il est large, plus ça sera difficile pour le. Il faudra vraiment prendre beaucoup plus sur les extérieurs le joueur que là c'est vraiment très 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 proche hein. On est de l'autre côté de la route, on est déjà hors zone hein. Il suffit juste de passer sur la route, on est dans une zone où on peut se faire attaquer quoi. Donc je trouve que vraiment le rayon de la zone de sécurité il est pas assez grand hein. Moi je l'aurais déjà doublé hein. Facile hein. J'aurais fait le double de ce qu'il était de façon à être vraiment dans la safe zone bien avant d'être dans le terminal quoi. Comme ça, ça évite, ça repousserait les mecs qui pourraient attaquer. Bon bah oui, hein, c'est vachement galère. Hein. J'ai été viré la partie, le serveur est galère. Hein. Alors, soit il redémarre et qu'il reconstruit la carte. Sûrement ce qui doit se passer. Soit bah il y a tout simplement bah, le. Je pense que le serveur, soit il est dans sa limite de ce qui peut être acceptable pour qu'il fonctionne. Et la carte est peut-être un peu trop chargée, c'est-à-dire trop chargée, il y a déjà trop de constructions et de choses à peut-être implanter sur la carte au vu des nombres des joueurs qui sont passés. Donc peut-être que le serveur il a du mal à gérer tout ça. C'est pour ça que souvent c'est les redémarrages des serveurs, c'est long à se mettre en place parce qu'il faut régénérer tous les véhicules, tout repositionner. Donc voilà, je relance. Ça a l'air d'être un peu plus. Un peu plus rapide. Bon bah nickel, hein, vous voyez, je réapparais. Exactement, hein, une safe zone. Vraiment pour moi une safe zone c'est une zone où tu puisses arriver discrètement de plusieurs endroits. Puis comme tu dis hein, une safe zone pour moi ça il en faut pas qu'une, il en faut plusieurs. Comme ça met le doute pour le joueur parce que quand il y a un seul endroit bah facile hein, tout le serveur doit aller à ce seul endroit.
les safe zones, il y en aurait une dans plusieurs villes, c'est le cas de le dire. Enfin, il y en aurait 5-6. Et bah, c'est moins évident de venir camper, quoi. Parce que, bah, camper, c'est une bonne chose, mais quand on peut acheter les mêmes choses à 5-6 endroits différents, et bah, là, tout de suite, ça réduit énormément les possibilités d'avoir un passage à cet endroit, hein. Et au contraire, après, bah, ça incite les autres joueurs à aller à un autre point de safe, enfin à une autre safe zone, pour justement éviter bah, ces fameuses embuscades qui, pour moi, sont inévitables, hein, puisque bah, ouais, tu me confirmes que ça se fait déjà, ça me surprend absolument pas. Moi, c'est vraiment ce que j'ai dit dès que j'ai commencé. Si c'est un seul point où faut que tout le monde se croise pour aller faire ses courses, c'est obligé que ce soit la merde. Alors d'ailleurs, ça tombe bien, hein, c'est comme tu connais le jeu. Est-ce que tu peux expliquer vraiment qu'est-ce qui se passe quand on meurt, hein? Parce que moi, jusqu'à présent, je n'ai pas encore été tué. Et si jamais bah, je viens être tué, qu'est-ce que je perds? Est-ce que je perds mon personnage et son argent? Est-ce que je perds que mon équipement qui est sur le personnage? Est-ce que je perds mon véhicule? Est-ce que qu'est-ce qui a vraiment pris en compte? Est-ce qu'il faut recommencer tout à zéro? C'est-à-dire recommencer à zéro son argent, son équipement, ou est-ce qu'il y a moyen de conserver une partie du matos? Moi, je me pose un peu la question sur ça, hein. Et bah, pendant que tu es parti, le serveur a redémarré tout simplement. Il y avait bien un gros problème, hein, donc là, ça a l'air nettement plus fluide. Donc là, ben, j'en profite, étant donné que je suis dans la base, pour fouiller un petit peu si ça avait pop, mais rien du tout, hein. Je reste quand même méfiant, hein. Il y avait un joueur tout à l'heure dans le secteur, hein. Franchement, ici, c'est pas terrible, hein. Je pense que vraiment, il faut aller dans des grosses bases, hein. Ok, donc on perd l'équipement qu'on a sur soi. Et quand on tue un joueur, c'est-à-dire quand tu tues quelqu'un, est-ce qu'il y a, je sais pas, est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui se passe? Tu gagnes de l'argent? Est-ce que tu gagnes des points de respect? Est-ce qu'il y a un truc? Est-ce que, je veux dire, voilà, est-ce qu'il y a un intérêt à buter les joueurs? Ou est-ce qu'au contraire, il y a plutôt intérêt à éviter de trop chercher à tuer les joueurs? Et alors, j'en avais un dans la ligne de mire, hein. Le problème, c'est que je sais pas s'il était seul, accompagné. Ah, je vais rester dans la zone, hein. Reste dans la zone, hein. Je vais voir si le message apparaît là. Parce que là, vraiment, le serveur vient de redémarrer. Hein, donc, d'accord, 100 points de réputation. Alors, tiens, un réservoir. Donc j'imagine que 100 points de réputation, ça n'a rien à voir avec. Est-ce que c'est différent des respects? Parce que moi j'ai les points de respect, alors est-ce que c'est la même chose? Est-ce que c'est différent? Je sais pas trop, hein. D'accord, donc faut pas tuer un mec qui vient de spawn. Ça a l'air de quelque chose de sympa que je viens de trouver. Ça, à mon avis, ça doit être très coûteux, ouais. Les barres de métal.
Ah, j'ai même pas fait gaffe. 666. J'ai même pas fait gaffe, ouais. Ouais, je pense pas que la zone soit la plus propice au drop là. Faire un peu le tour quand même des trucs. Hein. Voilà, même le message, il me dit que c'est le loot à spawn pour moi. Le serveur est plus fluide. Ah bah voilà, là ça devient intéressant, une arme. Voilà. Alors les loots sont générés personnels, c'est pas pour le serveur mais pour toi. Là, comme tu dis, c'est une zone scientifique. Hein. Tant dans le chat tu as pas le message the spawn, enfin ouais, item. D'accord. Donc en fait le loot là quand il marque le loot c'est vraiment c'est généré pour mon perso. Hein. Ça veut dire que moi ce que je ramasse c'est pas ce que l'autre aurait ramassé. Après je sais pas comment ça évolue le loot. Si le loot vient de plus en plus de qualité avec le... Traoshan crashed to that. Je crois que c'est lui qui voulait acheter son hélicoptère. Bon, bah, je crois que son hélicoptère, bah, il l'a fumé. Crashed to death. Je pense qu'il s'est planté avec son hélico. Je pense que c'est ce qui a dû se passer. Il a dû se planter avec son hélico. Triste alors. Franchement, c'est pas terrible, terrible, hein, tout ci. On va rester trop dans cette zone. Je vais reprendre ma caisse. Je pense que je vais aller. C'est mieux limite d'aller vadrouiller dans l'endroit où j'étais habitué tout à l'heure. Hein. Là où il y a beaucoup plus d'armes, juste à côté de la base. Alors, vraiment, c'est nul, là. Non, moi les armes, si j'ai vraiment une belle arme, moi je la garde, hein. Ça pour moi c'est une arme de merde, hein. La celle que j'ai est beaucoup mieux, hein. Alors, en gros, d'accord. Hein. Là, je comprends. Hein. C'est vraiment pour pas surcharger justement le serveur que le serveur que qui génère les items comme ça. Ce qui est pas bête du tout. Hein. Ah bah oui, c'est sûr que la fusil sniper c'est très bien. Mais faut-il être en. Déjà il faut être dans des conditions pour partir en sniper. Pour l'utiliser. Donc moi ça me dérange pas. Hein. Moi j'ai énormément joué en classe de sniper quand j'étais. Quand je faisais du Arma 3. Hein.
en mode combat. Et ça revient à le nouveau leur âme. Bon côté, c'est que là, ma voiture, elle est sombre maintenant. Je sais pas si je me suis pas foutu. Je sais pas si je suis pas sous une lumière là. Un petit peu, ouais. On fera avec, hein. Ouais, c'est ce qu'il expliquait, hein, c'est qu'à première vue, il y a des embuscades qui se font déjà sur d'autres serveurs. Hein. Donc le phénomène que j'avais peur qui se produit justement de subir une embuscade à l'entrée, bah, manifestement, bah, certains le font déjà sur d'autres serveurs. Hein. Donc ouais, c'est ça qui est relou, hein, malheureusement. Hein. Le problème, c'est que le serveur, il a qu'une seule point d'achat, malheureusement, et certains vont déjà se mettre en embuscade pour piéger d'autres joueurs, et ça, vraiment, c'est pourri, quoi. Le mec, il arrive, il débute sur le serveur, il a aucune chance, hein, si tout le monde fait ça. Hein. Là, avec le pognon que j'ai, hein, je peux largement m'acheter un fusil sniper, des explosifs. Je peux piéger tous les alentours et puis je fais tout péter. Hein. Mais bon, c'est pas trop d'intérêt, moi, je trouve. Hein. Derrière, à part foutre la merde, hein, c'est tout. Hein. Les mecs vont rager, ensuite ils vont essayer de revenir, ils vont me buter. Bah ouais, bah je pense que ça c'était le fait d'écrire 45 fois, à mon avis, ça a pas dû le Nightbot est très 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 surveille énormément le chat. Hein. Alors, j'ai aucune idée, hein, c'est peut-être ta connexion qui a du mal. Alors, grenade violette, ça on s'en fout. Ouais, mais bon, ouais, c'est sûr. Mais bon, moi, je trouve que c'est pas, franchement, c'est pas, voilà, c'est pas marrant du tout, quoi. Enfin, je veux dire, le jeu, voilà, quoi. Le mec qui fait ça, y a pour moi pas très beaucoup d'intérêt. C'est que le mec, s'il est obligé d'être à côté d'une zone obligatoire de passage pour tuer des joueurs, qui est complètement incapable de tuer des joueurs ailleurs que dans une zone où il sait où ils vont venir, quoi. Qu'est-ce qu'il ferait dans la nature, quoi? Il les attrape comment? Ça coûte des sous, je le prends, le recycleur. Ah, le bot il est. Il surveille tous les écarts, hein, les caps lock, les répétitions, tout ce qui peut être assimilé à du spam, des trucs comme ça, lui automatiquement il réagit. Hein.
Mais en règle générale, il avertit. Et après, c'est au bout du deuxième là qui mute. Ouais, on va sortir. Comme quoi, hein, j'ai mieux fait de venir ici looter que de rester là-bas là dans le truc, dans les dômes. Voiture, elle est même pas pleine, hein, je commence à voir. Deux, trois trucs qui sont sympas, qui sont coûteux. Hein. Après, j'ai des trucs de merde. Hein. Bah ouais, il fait encore nuit. Hein. Bah, le temps passe très doucement. Hein. C'est pas du tout une, c'est pas du tout accéléré. C'est pas comme dans Breaking Point où en fait le serveur se coupe justement pour écourter la nuit. Hein. Allez hop, un autre fusil. Allez, encore un autre, nickel. Oui, hein, finalement, j'ai mieux fait de revenir ici. Tac. Petite boîte de munitions. Ça, c'est un vêtement, je m'en fous un peu. Ça, par contre, c'est peut-être plus intéressant. Gilet de camouflage. Ah merde, 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 c'est pas ça. Voilà. Là, il est quelle heure? 22h, il va être 23h dans le jeu. Donc, il y a le temps hein, avant. Là, la nuit, c'est pour encore longtemps. Hein. Je sais pas comment est réglé le timing, si c'est temps réel, c'est-à-dire une heure égale une heure. Moi, j'ai l'impression. Hein. J'ai l'impression qu'il est réglé comme ça. Hein. Une heure égale une heure. Après, sur d'autres serveurs, après, tout dépend des réglages. C'est-à-dire que, enfin, je parle d'une façon générale, hein. Je parle pas spécialement du mode. Hein. Là, le mode, peut-être que c'est lui qui veut, justement, c'est peut-être lui qui volontairement fonctionne comme ça. Hein. Mais par contre, quand on fait d'autres parties sur d'autres modes Arma, par exemple, le temps défile plus vite, c'est le cas sur Breaking Point, le temps défile beaucoup plus vite. Et là, on voit quand même que ça fait... Tout à l'heure, j'avais regardé... alors, je sais pas si c'est une heure pour une heure, mais il me semblait que tout à l'heure, c'était 21h dans ces eaux-là. Donc là, si c'est à peine 23h... moi, je pense qu'on n'est pas trop loin. Ça avance pas bien vite, hein, donc moi, je pense que le temps, il est vraiment réglé heure par heure. Hein. Hein, ça, c'est... Ok, hein. Toi, tu penses que une heure égale 20 minutes, hein. Je regarderai un peu le temps là, comment il se fait. Je récupère encore une autre arme. Là, il y aura un truc à choper. Là aussi, il y a des munitions à choper. Exactement. Et comme je savais que la nuit dure assez longtemps dans le jeu, puisque quand moi j'ai testé le jeu hier, c'est pour ça que je me suis dit, on va acheter une vision nocturne, parce que c'est pour 100 crédits, franchement, je l'amortis là.
parce que alors, ce serait un peu la merde hein, sans vision nocturne, juste à l'aide d'une lampe là, ce serait un peu galère. Hein. Donc à titre d'exemple, hein, ma voiture elle est pleine, enfin j'ai dépassé la moitié. L'hélicoptère, lui, il aurait été déjà plein. L'hélicoptère, il aurait été full. Donc on voit quand même que la capacité aussi de la voiture a quand même doublé hein, par rapport à l'hélicoptère que je vais acheter. Hein. Ça m'oblige à faire donc plusieurs rotations. Hein. Donc on a dit qu'il y avait quoi, ça et un gilet. Donc après c'est sûr que quand on est à plusieurs, bah, je comprends que les autres ils aient un petit camion. Hein. Avec un petit camion, là ils chargent énormément de matériel. Hein. Après l'avantage du jeu c'est plus on a d'argent, bah, plus on achète de véhicules hein, tout simplement. Hein. Rien n'empêche d'avoir un hélicoptère, d'avoir une voiture. Après, je sais pas du tout si par exemple un véhicule qui est stationné, on peut le faire exploser. C'est-à-dire si quelqu'un pose un explosif ou tire dessus, est-ce que le véhicule explose? Ça, mystère. Hein. Est-ce que le mec s'il balance une grenade ou... Je sais pas. Hein. Est-ce qu'une voiture fermée... voilà, pour moi une voiture elle est verrouillée, mais c'est pas pour autant qu'elle est sécurisée. Ça veut dire que quelqu'un peut très bien sur le parking. Alors peut-être dans la zone safe elle est vraiment sécurisée, mais en dehors d'une zone safe, je pense que la voiture si on l'attaque ou si on la dégrade, elle pète quoi. Alors une voiture qui pète, je sais, pense pas qu'elle respawn. Hein. Donc voilà, premier vœu, il y en a un qui dit, il faut pas acheter d'Alcat. Donc c'est le fameux hélicoptère qu'on a vu tout à l'heure, ils sont buggés. Donc c'est bien ce qui s'est passé. Ils se sont crashés avec l'hélicoptère. Première vue, l'autre s'est bien fait poutrer, hein, il a crashé l'hélicoptère qu'il a acheté, puis il a acheté un machin à 7000 crédits, hein. Ça fait cher le test. Hein. Je continue à vider mes poches. Bah, en fait, il n'y a pas de vidéo alerte sur YouTube, hein, mais c'est sur Twitch. Sur Twitch, quand tu t'abonnes, il envoie un email. Hein. Il envoie un email comme quoi le live va commencer. Sinon, il y a le compte Twitter. Hein. Dès qu'un live commence sur Twitter, et ben tu reçois un tweet. Il y a un tweet qui signale un début de live en même temps que limite en même temps que le mail qui est envoyé sur ceux qui suivent la scène Twitch. Donc c'est sûr, si t'as pas de compte Twitter aussi, c'est pas pratique du tout. Hein, mais faire une alerte sur YouTube, c'est quasiment impossible.
parce que sur YouTube, en fait, le seul truc qu'il envoie, lui, c'est quand à la limite il y a une nouvelle vidéo qui a été postée. Hein. Gilet modulable, on va regarder ça de plus près. J'ai entendu un bruit. On va voir un coup. Hein. Voir un coup. Hein. On va se mettre comme ça. Hein. Alors, on va boire une bouteille déjà d'eau. On va se manger un petit truc là. Voilà. Et moi, ce que je vais regarder, c'est les caractéristiques de ça. Ah bah voilà. 120, donc je vais perdre un peu d'emport. Par contre, j'ai une putain d'armure. Donc voilà, un gilet qui est parfait. Ça m'a évité d'en acheter un. Hélicoptère. Là-bas. Le mode que j'utilise, c'est le mode exil. C'est un nouveau mode disponible sur Arma 3 depuis quelques jours. Hein. Donc là, il n'est pas question de zombies, il est question de survivre dans un univers hostile avec des gens qui se battent. Donc bah, moi, toi, j'ai réussi quand même à acheter malgré tout une voiture. Donc en fait, tous les objets que tu ramasses, tu peux les revendre. Donc là je suis en train de faire un peu le tour des bâtiments pour récupérer en fait les items dans le but de les revendre tout simplement pour me faire pour m'acheter encore plus de matériel. On entend l'hélicoptère là. Donc voilà, je reverrouille ma voiture. On va aller faire un petit tour, mais logiquement j'ai ramassé tout ce qui était important. Ça c'est des vêtements, hein. Ça coûte pas plus que 40. Hein. Ah bon, ça coûte pas plus que 40, hein. Ça coûterait peut-être des fois mieux que. Ça coûterait moins que. Comment ça s'appelle? Que mes munitions là que je ramasse. Exactement, hein. C'est ça, tu peux build avec le mode. Hein. Donc pour build, il faut impérativement déjà acheter un terrain. Et bon, bah le terrain, c'est 5000 crédits qu'il faut. Donc le problème, c'est que j'ai pas envie d'acheter un terrain n'importe où. Hein. Donc c'est pour ça que moi, j'aimerais, avant d'acheter un terrain, ce serait pouvoir peut-être acheter un hélicoptère pour justement acheter ensuite un terrain dans une zone un peu plus
un peu plus caché, on dira. C'est-à-dire avec l'hélicoptère, je pourrais me rendre dans une zone un peu plus difficile d'accès en véhicule, où il faudra quand même soit marcher énormément. Enfin, je veux dire, étant donné que la base, c'est le seul endroit où on peut. Le problème, c'est que la base, c'est le seul endroit où on peut venir. Si je construis mon truc à 1 km d'ici, c'est sûr que je serais beaucoup plus vulnérable que si je me mettais à 500. Hein. Donc voilà, ouais, j'ai bien fait de passer par là. Je crois que c'était déjà ouvert. Heureusement, la voiture, elle a pas trop mangé. Hein. C'est-à-dire que la voiture, elle a pas trop mangé. Hein. Et encore un menu de ralentissement. L'autre il a garé sa voiture, impression. Hop là. Voilà, donc là, on lock la voiture, je suis dans une zone sécurisée. Puis je vais vendre un peu mon matos, là. Là le gilet que j'ai pris, il est pas mal. Hein. On en voit un. Il a la vision nocturne. J'ai 100 de... La protection balistique, elle est de 100, hein, donc je suis beaucoup plus protégé que ce gilet. C'est parti. Hein. Ça, je vais le garder. Ça, je... Alors, pourquoi il y a des trucs qui sont bleus? Pourquoi il y en a d'autres qui sont blancs? Pourquoi il y en a que je peux vendre? Pourquoi il y en a que je peux pas vendre? Tout ça, je le vends. Hein. Pour l'instant, j'en ai pas l'utilité. Je pense qu'après, ça sera une utile quand j'aurai une maison. Intéressant la première vue là. Le gars explique qu'ils ont également un serveur Arc. Donc ouais, hein, je vends par 15 hein, les chargeurs. 15 crédits par chargeur, c'est sûr. C'est pas ce qui va me faire gagner de la thune. Mais bon, c'est toujours ça de prix. Hein. Là, on commence à vendre les armes, ça fait un peu plus d'argent. On a passé les 6000, nickel. Parfait ça, très très bien. Alors maintenant, on va vendre les casques là. Les lunettes, je les garde pour l'instant, ça peut être utile plus tard. 7000, elle est géniale là. Comme quoi, hein, de tout collecter, hein. Ça a son importance. Hein.
Et voilà. Alors, c'est mes trucs, ça c'est dans ma veste. Mes bouteilles fraîches. Ah, nickel. Là, franchement, je me pose la question si, limite, si j'achète mon petit hélicoptère pourri à 500, à 5000, ou si je ferais mieux pas de faire 2-3 petits voyages comme ça, histoire d'acheter un machin un peu plus potable. Hein. Parce que franchement, regardez, hein, ça y est, je peux acheter déjà un Orca hein, à 7000. Hein. Là, quand même, je monte. Là, voilà, je monte à 3000 de capacité, quoi. Hein. Voilà, parce que bon, bah, là, au niveau armure, c'est drôle, hein, lui, il a plus d'armure que l'Orca. Mais bon, la capacité, hein, c'est trois, j'en mets trois fois plus. Hein. 800 litres de carburant, ouais, donc l'Orca aussi, il a un peu plus d'autonomie. L4, ça c'est justement celui qui bug, hein, celui qu'ils avaient acheté tout à l'heure, qui a planté, hein, cramé le truc. Donc, moi, j'ai évité de m'amuser avec ça, hein, j'ai pas envie d'avoir de lâcher. Et moi, lui, il me plairait bien. Ça, pas du tout. Ah, lui, il est pas mal. Ah. Il y a un hélicoptère en approche. Rien du tout là que cette pluie de merde et puis cet intensificateur de lumière. Putain, il est là. Mec, il est fou, il laisse sa voiture ouverte. Ça en fait du bruit, hein, putain. Regardez le nombre qu'ils sont. Alors là, l'hélicoptère, c'est celui que je regardais, qui coûte... C'est l'hélicoptère qui justement coûte je sais plus combien. Hein. Et oh, j'ai parlé au gars pour acheter. Voilà. Donc là, voilà, on est dans l'île. Voilà, c'est cet hélicoptère là. Hein. C'est l'hélicoptère qui coûte 8400. Hein. Pas mal, hein. Véhicule verrouillé. Par contre, voilà. Ça, c'est un véhicule que moi, je peux pas acheter parce qu'il fait partie du pack hélicoptère que je n'ai pas. Ouais, pas mal, pas mal. Ouais, c'est clair que ça claque, hein, le bruit qu'il fait, le machin. On voit déjà, là, j'ai le curseur comme quoi. Alors le truc, c'est que je me pose la question, mais c'est bien beau là que j'ai le truc, mais moi le machin là, je le
Je le vois. Le problème, c'est que j'espère que je. Moi, je voudrais pas acheter un truc que je puisse pas utiliser. Parce qu'à première vue, ils ont implémenté tous les avions et les hélicos qui sont d'autres packs. Sauf que moi, le pack hélicoptère, moi, je l'ai pas. Hein. Voilà. Ce véhicule verrouillé fait partie. Achetez-le pour monter dans à bord de cet appareil. En tant que membre d'équipe, alors, vous voyez le truc. Si en plus. Si j'achète le Orca et que le Orca fait partie du pack d'armes, ça veut dire que je me retrouve avec un hélicoptère que je peux même pas utiliser. Donc je ferai le test là. Le problème c'est que l'Orca, si c'est un hélicoptère qui fait partie du pack, je pourrais pas le prendre. Donc je vais pas acheter un machin que je peux pas piloter là, c'est carrément là, c'est perdre de l'argent quoi. Donc il faut vraiment que je vérifie que. Parce que manifestement, dans la liste, il me met des hélicoptères que même moi je peux pas acheter, que je peux pas piloter. Donc c'est un peu n'importe quoi. Lui là par exemple, je peux pas le prendre. Pourtant, il est bien dans ma liste. C'est-à-dire là, si j'achète ça. J'achète un truc comme ça, ben, je peux pas le prendre. Donc l'Orca, hein, il me semble. C'est le dessin qui me parle pas. Hein. Le nom me parle. Hein. Il me semble que c'est un hélicoptère de base hein, de Arma. J'irai vérifier. Lui, c'est un hélicoptère de base, ça c'est sûr. Et lui aussi, là, c'est un hélicoptère qui a été ajouté récemment. Enfin, ça, c'est un hélicoptère de base aussi, que j'ai déjà piloté. Cessna, par contre, ça me parle pas. Celui-ci, ah, tel qu'il est, ça me parle pas. C'est surtout lui, hein. Je sais que c'est un hélicoptère de base, le MH9, et je pense que ça en fait c'est ni plus ni moins un MH9 version civile quoi. Je pense que celui-ci je dois pouvoir l'accéder. Hein. Par contre lui, lui par contre je suis vraiment pas sûr. Hein. Enfin il me semble que le nom, hein, le PO30 Orca, hein, me semble bien que. Semble bien que. Enfin, le nom me parle. Hein. Le nom me parle, donc je pense que j'ai déjà dû le piloter. Hein. Donc, si je l'ai piloté, c'est qu'il a intégré dans leur mode base. Il y a des machins par terre. Hein. Bon, c'est moi qui rêve. Ah, le mec qui jette des bouteilles plastiques par terre. Tout se recycle. Hein. Tout se recycle. Hein. Alors, est-ce que il y a quelque chose que je peux acheter qui me manque? La bouteille de l'eau, j'ai. De la bouffe, j'ai ce qu'il faut. Ouais, de toute façon, ça. Ouais, bah, bon, je vois, je pourrais leur demander, mais bon, je vais pas les emmerder, les mecs sont en train de faire leurs courses et tout. De toute façon, je vais pas m'amuser, je pense, à acheter une Nico maintenant, parce que, bah. Si je l'achète, il me restera 2000$. Donc, je pourrais pas encore acheter le truc. Et surtout, ben là j'en suis à plus de 3 heures de live, donc je vais pas non plus. Si je commence à acheter un hélicoptère, je préfère. En fait, je préfère. Parce que le problème, c'est qu'il faut le stationner. Hein. Donc je serais plus en sécurité en sachant, voilà, en garant plutôt ma voiture pendant X, parce que le temps que je suis plus là, hein, que de garer un hélicoptère qui coûte 7000. Parce que ça, leur hélicoptère, je pense pas qu'ils le laissent stationner ici sur la base.
Ils doivent, eux, ils doivent avoir un. Ça fait du bruit. Hein. À mon avis, eux, ils doivent avoir une base. Hein. Le bordel que ça fait. Hein. Bon, vous voyez la direction qu'ils partent. Hein. Ils partent en direction de l'ouest. Hein. Donc ils partent vraiment dans les endroits où c'est un peu accidenté, où c'est l'endroit parfait pour s'installer. Tu le ranges au garage? Tu fais comment pour ranger un véhicule au garage? Je sais pas moi, il y a une option pour ranger un véhicule dans un garage? Ça, tu me l'apprends, hein. En disant cette voiture là, je vais la ranger au garage, je fais comment? Moteur coupé, allumage. C'est que depuis tout à l'heure que je suis dans le menu, je l'aurais vu quoi, s'il y avait un moyen de. Ouais, il n'y a pas de. Ouais, je vois pas de moyen de ranger. Ouais, est-ce que c'est propre à l'hélicoptère? Ah mais là, c'est pas le tout de croire, là, il faut être sûr. Parce que là, si c'est pour laisser un machin. Un machin qui coûte 7000 et puis le laisser garer bah ici là en plein milieu du parking là où tout le monde vient, c'est un peu un risque que je vais éviter de prendre quand même. Hein. C'est ouais, puis là PNJ c'est pas lui il vend, hein, il y a pas de PNJ qui propose de garer. Hein. Alors est-ce que faut-il peut-être avoir encore un autre équipement, une base? Je sais pas trop. Hein. Enfin, j'ai pas vu jusqu'à présent. J'ai pas vu une seule option où il y avait une histoire de garage. Donc, tiens, il y a encore une canette par terre. Hop, on va recharger à la fontaine. De toute façon, hein, comme je disais, hein, moi je vais pas non plus trop non plus faire durer hein, parce que là on est quand même déjà à 3 heures de live. Hein, déjà que le premier a été assez conséquent. Voilà, ça fait 10 bouteilles que je ferai chauffer. Ça m'en fait 7. Hein. Comme ça, les bouteilles je les revends hein, s'il faut. Ça ben, je pense que l'hélicoptère j'achèterai sur le je pense que j'achèterai l'hélicoptère au prochain live, comme ça permettra vraiment de jouer toute la partie avec l'hélicoptère hein, parce que là c'est risqué un peu d'acheter un hélicoptère sur quasiment peu de temps avant de déco hein. Risque de ben, tout peut on sait pas hein, tout peut arriver hein. On sait jamais si quelqu'un m'éclate l'hélicoptère ou je sais pas ce qui peut arriver. Hein. Ouais, il y a deux PNJ, il y a celui qui te permet d'acheter l'hélicoptère et celui qui te permet de le repeindre. Et voilà, hein, pour repeindre l'hélicoptère, il faut en avoir un. Hein. C'est comme au garage. Là-bas, il y a celui qui te propose d'acheter ta voiture et l'autre qui te permet de le repeindre. Et celui qui te permet de le recycler, je pense qu'il doit avoir la même chose. Ah bah ouais, bah sûr que là le faut-il encore comme je dure aussi longtemps aussi hein. Tac voilà, donc là il faut être dans les 50 mètres avec son véhicule hein. Donc ça c'est vraiment ça c'est pour customiser le véhicule hein. Ça c'est pas pour le garer hein. Ça c'est vraiment pour le peindre en tout cas un mode marrant hein, qui change de Breaking Point. On s'équipe nettement plus vite.
s'équipe nettement plus vite et je pense qu'il faut encore adapter un petit peu deux trois trucs, mais bon, et à mon avis, je pense qu'il y a encore moyen que ça s'améliore, hein. Notamment mettre plusieurs voilà des zones d'équipement comme ça, il faudra en refaire d'autres, donc j'imagine que ça doit être assez lourd peut-être à mettre en place, parce que bah il y a peut-être beaucoup de donc reproduire tout ça dans plusieurs endroits de l'île. C'est peut-être un peu lourd, mais le problème c'est que ça éviterait de se faire éclater par des mecs qui viendraient à camper. Hein. Donc voilà, bah écoutez, moi je vais en arrêter là pour ce soir, hein, parce que bah demain il faut quand même se lever pour le taf aussi. Hein. Essayer de faire 2-3 réglages, me coucher, puis je vais voir hein, en même temps pour les vidéos, pour les retransmettre aussi pour demain, hein, parce que là, ça va être un peu tard pour les envoyer, hein. Elles sont un peu volumineuses. Moi je verrai hein, demain hein, sur quoi je live. Il n'y a jamais réellement de. Bah, déjà faut-il que je finisse pas trop tard. Donc suivant l'heure où je termine, eh ben, je peux live ou pas. Mais en règle générale, c'est quand je stream, c'est sur les coups des minuit hein, en semaine. Hein. Et après, bah, tout dépend en fait. L'humeur du moment, hein. ça peut être sur n'importe quoi, hein. N'importe quel titre. Hein. Donc on verra, c'est le cas de le dire, c'est au moment où le live commence. Hein. La crasse custom. Donc voilà, bah écoutez, moi, sur ce, je vais m'en arrêter sur ce soir. Hein. Ma voiture est au parking, j'espère que qu'elle se fera pas défoncer, qu'elle sera pas fracturée. Hein. Au moins déjà, j'ai déjà tout mon matos et mon argent sur moi. Je me déconnecte avec mes sous. Donc, au moins, je veux dire, il y a moins de risque de se faire voler ou je sais pas s'il y a moins de fracturer ou un véhicule, mais bon. Je préfère pas prendre de risque. Comme ça, ben, j'achèterai l'ICO pour le prochain live. Ben sur ce, moi je vous souhaite une bonne nuit à tous. Merci d'avoir suivi ce live. Hein. Il sera retransmis sur ma chaîne YouTube. Puis ben, n'oubliez pas ben, la chaîne, le Twitter, hein, si vous voulez être affirmé par tweet d'un live, hein, tout simplement. Dès qu'un live part, un tweet est émis pour le signaler. Hein. Voilà, voilà. Et puis bon, ben, sinon, si vous avez Steam, il y a le groupe Steam CrocoFR. Hein. Où vous pouvez avoir éventuellement 2-3 infos ou des actualités sur des jeux que je fais. Ou par exemple, je peux donner 2-3 infos bah, éventuellement sur des prochains lives ou éventuellement sur des recherches d'infos propres à un jeu. Voilà, voilà. Et ben, merci à tous. Et puis bah, à une prochaine hein, sur Arma 3 en mode exil ou sur un autre titre. Ciao, ciao. Bye.